Ça, tout marche bien? Ben, Georges, il a fait son travail. Est-ce que vous avez des questions? Bien, j'en ai quelques-unes ici. Qu'est-ce que le pardon? Comment l'appliquer dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est tout simplement d'oublier le mal que quelqu'un te fait. Tu ne vas pas pardonner quelqu'un qui t'aime. Tu ne vas pas pardonner un bon geste. D'accord? Tu vas pardonner quelque chose qui t'a enfoncé. Et comment pardonner? Ou plutôt, pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Parce que tout simplement, on n'a pas la paix intérieure, on n'a pas une relation avec Dieu. D'accord? Parce que tout ce qu'on ne peut pas faire, c'est parce que nous sommes loin de la grâce de Dieu. Et ce qui nous éloigne, ou ce qui nous prive de la grâce de Dieu, c'est notre éloignement de Dieu. Un homme qui pardonne, c'est un homme fort en Christ. Un homme qui pardonne, c'est un homme fort en Christ. Qu'est-ce qui peut mener Saint-Étienne, par exemple? Je ne veux pas prendre l'exemple du Christ, malgré qu'il nous a donné cet exemple. Pourquoi Saint-Étienne, Redis Stephanos, durant sa lapidation, d'accord, à la fin, il a demandé le pardon à ces gens-là? C'est parce qu'il aime. Il ne veut pas se venger. Et il voit aussi que la mort, ce n'est pas une perte. La mort pour le Christ, ce n'est pas une perte. Mais qui peut arriver à ce, d'accord, à ce niveau, que s'il a une grâce de Dieu, d'accord, et la foi en Christ, qu'il est là. Quand l'âme ou l'esprit est rassasié, il voit que tout ce que l'homme me fait, que ça soit bon ou mal, c'est rien. Si c'est du bien, ça ne me réjouit pas trop. Si c'est du mal, ça ne m'attriste pas. Mais ce qui me réjouit, c'est tout simplement que je suis rassasié par le Seigneur, que je suis en Christ. Vous voyez? Pourquoi l'homme ne peut pas pardonner? Malgré qu'il demande à Dieu qu'il lui pardonne, et malgré qu'il veut que les autres lui pardonnent. Vous voyez? C'est parce qu'il ne pense qu'à lui-même. C'est un genre d'égoïsme. D'accord? Un homme qui pardonne, c'est un homme aussi qui est humble. Ce n'est pas grave. Oui, mais il cherche toujours une raison pour l'offensité ou pour le mal que l'autre m'a fait. Vous voyez? Je cherche toujours une raison. Oui, ça ne fait rien parce qu'il est sous pression. Oh, ça ne fait rien. Il n'a pas appris comme moi. Ce n'est pas un jugement, mais de lui chercher une excuse. Pourquoi il fait ça? Vous voyez? Et même, il y a un verset, il y a un dicton des saints, vraiment qui aide l'homme à pardonner. Je vais le dire en arabe, ensuite je vais essayer de le traduire. Laïsa afdal lil insan, il n'y a pas quelque chose de bien pour l'homme que yarga bil malama ala nafsu fi kulli shay. C'est-à-dire que il se met en cause dans toute chose. Si quelqu'un se bagarre avec moi, d'accord, c'est toujours ma faute. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su le gagner. Je n'ai pas su, d'accord, être bon avec lui. Vous voyez? Et bien, la meilleure des choses pour l'homme, c'est tout simplement de chercher la poutre qui est dans son œil, non pas la paille qui est dans l'œil de l'autre. Même dans une affaire qui nous concerne. Une fois, dans un feuilleton comme ça, d'accord, il y a un qui dit à un membre d'un couple qui se craque, d'accord, il lui a dit, mais écoute, toujours c'est la faute des deux, jamais c'est la faute d'un seul. Vous voyez? Mais bien sûr, il y a une faute grave, une petite faute.
Le problème, c'est, ce n'est pas que je suis innocent et l'autre est coupable. Non. Le problème, c'est que je juge toujours, je cherche toujours la faute de l'autre d'abord. Le rôle de l'autre ou la paille de l'autre, ou même que si c'est l'apôtre de l'autre. Et moi, je m'oublie. Alors, je n'arrive pas à pardonner parce que je vise la faute de l'autre. C'est l'égoïsme. C'est clair? Comment pardonner en Christ et par le Christ, pour le Christ? Vous voyez? Et ça, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Je dois chercher parfois, mais mon cœur est en haine contre qui? Contre X. Pourquoi? Il m'a fait ça. Bien, il m'a fait ça. Vous voyez? Et pourquoi il me l'a fait? Mais sûrement, où est ma faute dans cette affaire-là? Je suis innocent 100%? Non, tu te trompes. Vous voyez? C'est comme ça qu'on peut avoir des pratiques de pardon en pensant à propos de ma faute. Regardez quand vous êtes en paix, par exemple. D'accord? Il y a quelqu'un qui vient vous agresser. Si vous êtes en paix, d'accord, vous laissez passer. S'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui, d'accord, si tout simplement on vous bouscule, qu'est-ce d'abassian, ou alors on vous touche dans un moyen de transport, vous hurlez, vous commencez à regarder la personne, mais, il doit faire attention, même si vous ne vous dites pas, d'accord, mais vous le pensez. Quand il fait chaud, d'accord, personne ne supporte l'autre. D'accord? Malgré que lui, il est innocent. Oui, il t'a bousculé, mais malgré lui. D'accord? Il n'a pas fait exprès. Mais c'est parce que c'est toi qui n'est pas prêt à pardonner ou à laisser passer ou à lui trouver une excuse. Il est fatigué. Il n'a pas pu se tenir, par exemple. D'accord? Quand un non-croyant ou croyant d'une autre religion nous attaque sur notre foi, que doit-on faire? Entrer dans le débat ou le laisser dans son ignorance? Puisqu'il vous attaque, vous le laissez dans son ignorance. Parce que celui qui attaque, il n'est pas prêt à écouter. D'accord? Vous tous, dans chaque milieu, d'accord, vous pouvez rencontrer ceci. Quand vous parlez à propos, non pas à vos attaques, mais quand vous parlez à propos de votre religion et votre foi, c'est lui qui vous attaque, c'est un de deux. Ou bien il a une autre foi, alors il veut te montrer que ta foi est rien du tout, c'est une attaque, alors ce n'est pas la peine de lui parler, parce qu'il rentre déjà avec, d'accord, une pensée et un préjugé. Voilà, c'est terminé. Et tu ne peux pas le bouger. Ou bien, c'est quelqu'un qui s'en fout de tout ce qui est religion, alors il veut se moquer de vous. Attaquer, d'accord, ou se moquer. Comment vous pouvez le savoir? Je vous ai dit qu'au moins, non, ça, c'est facile de le savoir. C'est trop facile. Premièrement, comme c'est écrit dans l'évangile, que Nicodème est venu le soir pour poser des questions au Christ. Si en groupe, devant les gens, il vous pose des questions, ce n'est pas la peine de répondre. D'accord? C'est une attaque ou une moquerie. Parce que c'est lui qui veut savoir quelque chose. Il va chercher à ne pas se montrer qu'il est ignorant devant les autres. Ou même, il a honte parfois de montrer qu'il est intéressé ou il veut savoir quelque chose de ce genre. D'accord? Et ben, en groupe, ah non. Fuis le débat. Et ensuite, pour témoigner le Christ, ce n'est jamais un débat. Un débat, ça veut dire on essaie de casser l'autre. D'accord? Les apôtres et même le Christ lui-même, quand il a voulu témoigner le royaume des cieux, il n'a pas fait un débat avec les gens.
Au contraire, parfois, il se retirait. Parce que la foi en Dieu, ou le témoignage du Christ, ou la parole du Seigneur, ça ne vient pas par un débat, mais un cœur préparé par l'Esprit Saint. D'accord ? Et il cherche la vérité. Alors Dieu te utilise pour transmettre cette vérité. C'est très paisible, c'est très calme. Mais s'il y a une tension, eh bien, ce n'est pas la peine de parler. Parce que c'est un message de paix. C'est un message d'amour. Comment voulez-vous, d'accord, échanger ce message-là ou transmettre ce message dans un climat de tension et de débat et d'attaque ou moquerie? Ça ne marche pas. D'accord? Ça dépend de l'autre. Et qu'est-ce qui dépend de toi? Est-ce que tu connais? C'est ça l'importance. Je vous dis toujours que vous croyez, mais vous n'êtes pas préparé parce que vous n'avez pas les phrases ou les formules claires dans votre tête pour exprimer ce qui n'est pas facile à exprimer. C'est la divinité. D'accord? Alors, on doit avoir un vocabulaire simple, d'accord? Non pas convaincant, mais au moins, il peut aider l'autre à comprendre. Est-ce que les idées sont bien ordonnées dans ta tête? Regardez quand vous faites un exposé, par exemple. Vous devez préparer tes idées, oui ou non. Et il y a même des notes qu'on donne dans les exposés. Mais est-ce que c'est vous cherchez de droite et de gauche, ou ça marche dans un contexte bien formé, bien formulé? D'accord? Et ça a besoin bien sûr qu'on travaille là-dessus. Est-ce que je cherche? D'accord? Et quand je cherche, j'écoute, ou voilà, alors j'essaie de mémoriser et de quelque chose de ranger les idées dans ma tête. C'est pour cela que parfois je vous dis des formules selon sa divinité unie à son humanité, d'accord, pour apprendre même par cœur ces formules pour exprimer, pour ne pas se tromper. C'est clair? Yes. Autre question? Et croyez-moi que si vous êtes dans cette situation-là, que Dieu vous utilise pour transmettre quelque chose à quelqu'un, que Dieu vous l'a envoyé, l'Esprit de Dieu va vous aider à parler. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit qu'on m'a posé une question et j'ai répondu. Mais Abouna, je ne sais pas comment j'ai répondu, j'ai senti que la personne m'écoutait bien. Il était convaincu, mais je ne sais pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas de la magie, non. C'est parce que c'est un bon cœur qui reçoit, qui écoute, vous voyez, et l'Esprit Saint qui t'aide à exprimer. Alors ça, c'est le travail de l'Esprit. Comme ici, par exemple, j'étais sur... je lisais Matthieu 10 par hasard. Alors, regardez Matthieu 10, il vous dit, est-ce que c'était, je pense que c'est Matthieu 10, non, 12, Matthieu 12, vous voyez, non, je me trompe, c'est où Dieu nous a dit que on va vous... pardon. Oui, c'est Luc 12, pardon. Il nous a dit que quand vous serez être livrés devant des rois et des gouverneurs, ne vous inquiétez pas
à propos de ce que vous allez dire, parce que l'Esprit Saint va mettre les paroles sur votre langue. D'accord? Non, je trouve pas vraiment le... Est-ce que c'est Matthieu combien? Je ne vois pas. Excusez-moi, je ne vois pas le... Mais c'est ça ce que je vous ai dit, d'accord? Que vous ne vous inquiétez pas. Parce que le moment que vous allez témoigner le Christ, l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va vous donner les paroles avec lesquelles vous allez témoigner le Christ. Vous voyez? Bien, on rentre. On continue un peu, Romains. Oui. Matthieu 10, n'est-ce pas? Oui. Mais où? Oui, bravo. Matthieu 10, verset 19. Alors, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Regardez l'œuvre du Seigneur. Comment il peut yani, œuvrer parmi les hommes. Il vous dit, ce que vous aurez à dire, vous serez donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors, si c'est votre cas, alors sûrement c'était le cas des prophètes et de Saint Paul quand ils parlaient. Quand on dit l'évangile du Christ selon Saint Matthieu, c'est-à-dire que Saint Matthieu, d'accord, oui, c'est lui qui a écrit, mais qui l'a guidé en écrivant, c'est l'Esprit de Dieu le Père. C'est clair? C'est pour cela qu'on ne doute pas. Si on doute, alors vous n'avez pas de référence. Vous voyez? Il y a des gens qui vous attaquent en disant que ce que vous avez entre les mains, d'accord, était changé. Eh bien, quelle est leur référence? Est-ce qu'ils ont quelque chose, d'accord, qui dit ceci? Et nous dit, oui, il y a l'évangile de je ne sais pas quoi. Mais ce sont des apocryphes. Ce ne sont pas des évangiles reconnus. Alors, on leur répond facilement, historiquement, d'accord, que regardez les plus anciens manuscrits qui datent du 2e siècle et du 3e siècle, d'accord, qui sont dans les musées, eh bien, sont et authentiques de ceux que nous avons dans les mains. Vous voyez? Mais si ils ont trouvé un manuscrit qui n'est pas reconnu, et c'est l'évangile de Thomas ou c'est l'évangile de je ne sais pas quoi, d'accord, eh bien non, ce n'est pas notre évangile. Et pourquoi eux, ils disent que ça, d'accord, c'est l'évangile? Parce qu'il y a des choses qui leur arrangent. Non, ça ne marche pas. Vous voyez? Nous sommes sûrs que ce que nous avons dans les mains, nous en avons des manuscrits qui datent du 2e siècle. D'accord? Dans les musées. Et c'est bien que ce n'est pas dans le musée égyptien où il y avait l'islam, mais en Allemagne et en Angleterre. Surtout en Angleterre. D'accord? Bien. Nous étions la dernière fois arrêtés sur le verset 28, Romains chapitre 1, verset 28. Mais j'aimerais bien remonter un peu verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est qui ces gens-là? Ce sont les gens qui ont refusé de connaître Dieu, malgré que Dieu s'est bien manifesté à eux par la nature. L'homme normal, s'il regarde tout simplement la création, eh bien, il va voir à travers la création
ce qui est invisible de Dieu, sa divinité et sa puissance. Mais ces gens-là, eh bien, ils ont refusé de garder Dieu ou la connaissance de Dieu dans leur tête. C'est pour cela que Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Ce sont des gens qui demandent à Dieu de s'éloigner. Ils ne veulent pas être avec Dieu. Ils abandonnent Dieu. Et puisque ces gens-là, ils veulent bien abandonner Dieu qui s'est manifesté clairement pour eux, ils veulent l'abandonner, eh bien Dieu les abandonne comme ils l'ont désiré. Parce que tout simplement Dieu respecte la liberté de l'homme. Tu veux venir avec moi? Viens. Tu veux m'abandonner? Eh bien, je te livre à ta convoitise, à ton désir. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu ne force pas la personne de venir. Il l'aide. S'il demande l'aide. Mais s'il abandonne, il le livre. Donc ce n'est pas Dieu qui pousse les hommes dans le mal ou dans le péché ou l'impureté. Non. Dieu, il exauce le désir de l'homme qui veut l'abandonner. Alors, je te laisse, je te livre. Et ce n'est pas Dieu qui a poussé les gens qui s'éloignent de lui dans l'impureté. Non. Ça vient d'où? Ça vient de l'orgueil de l'homme. Quand l'homme est orgueilleux, il compte sur sa connaissance et sa pensée et sa logique. Dieu permet qu'il tombe dans l'impureté visible, l'impureté des œuvres corporelles, charnelles. C'est pour cela que beaucoup des enfants de Dieu, comme je vous ai dit la dernière fois, ils peuvent lire l'Évangile, ils ont leurs pratiques, mais ils tombent dans des péchés d'impureté. Pourquoi? Malgré qu'ils sont là, à l'église, et ils ont leurs prières, leurs activités, mais pourquoi ils tombent dans l'impureté, dans ces œuvres corporelles, charnelles? C'est parce qu'ils ont un cœur orgueilleux. Même parfois, il se tranquillise en disant « Oui, je suis bien, d'accord, je vais à l'église, d'accord. » Alors, il ne fait pas attention, il n'est pas sur ses gardes. Vous voyez, il se laisse aller par les convoitises. L'orgueil mène à des convoitises charnelles. C'est un lien. Alors, méfiez-vous toujours. Si vous voyez que vous êtes faible vis-à-vis de ces convoitises, ou plutôt ces convoitises s'allument en vous, regardez votre cœur, est-ce qu'il y a un orgueil, oui ou non? L'orgueil mène à ces actes d'impureté. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est ça le mal qui est dans le péché. Que le mal du péché est dans le péché lui-même. Pratiquer le péché lui-même, vous savourez l'amertume du péché en pratiquant le péché. Vous voyez? En sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Déshonorent leur propre corps contre la nature. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ce que Dieu leur dit, eh bien, ils disent, non, c'est faux. Ils rendent Dieu menteur. Et ils se basent sur leur logique. Alors, ils abandonnent Dieu. Ils abandonnent la vérité.
ou quelqu'un qui se croit fort et intouchable du péché. Comme les pères qui nous disent toujours, ayez confiance en Dieu et n'ayez pas confiance en votre chair. Chair dans le sens de convoitise. Parce que c'est un domaine où le démon essaye toujours de vous attraper par là. Il peut vous envahir par cette rentrée. Les convoitises non contrôlables, d'accord, de la chair. Dieu, par nature, nous a donné beaucoup de choses dans la chair, mais pour la bien utiliser. Quand on abandonne Dieu, eh bien, on commence à utiliser ses dons naturels, d'accord, d'une façon qui nous déshonore. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Mais tout ce mal-là qu'ils font, ça ne touche pas Dieu, ça ne change pas Dieu. D'accord ? Ça n'influence pas Dieu. D'accord ? Influencer, c'est-à-dire, il ne change pas la pureté de Dieu, parce que qui est béni éternellement, amen. Si tout le monde est dans le péché, est-ce que Dieu, il est toujours saint et éternel, oui ou non? Il sera toujours saint. Le péché de l'homme ne change pas, d'accord, la divinité, ou ne change pas la gloire de Dieu. Il est béni. Il est béni éternellement. Amen. Amen, c'est quelque chose de sûr. Ça ne change pas. Dieu ne change pas. La pureté de Dieu ne change pas. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Livrés. Vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire livrés? C'est la personne qui insiste à abandonner Dieu, alors Dieu le livre. Une fois abandonné par Dieu, parce que c'est sa demande, il tombe dans l'orgueil qui le mène à des convoitises charnelles. Et vous voyez que, je vous ai dit un terme, Dieu permet. Tout ce qui est mal, Dieu le permet. Mais tout ce qui est bien, Dieu le veut. Parce que la volonté de Dieu est bonne. Mais il permet. C'est ça la différence entre la permission de Dieu et la volonté de Dieu. Tout ce qui est mal est par la permission de Dieu. J'espère que vous sentez la notion entre les deux. Vouloir et permettre. Si tu me dis pourquoi il permet, parce que vous êtes libre, il doit respecter votre liberté, mais toujours dans des limites. Parfois, Dieu permet que l'homme orgueilleux tombe dans des actes charnels, impurs, visibles, pour qu'il se rende compte de ce qui est invisible en lui, l'orgueil. L'orgueil peut être invisible en toi. Vous savez, s'il y a quelque chose qui est au-dessous de la surface de l'eau, on le fait attacher par un ballon comme ça pour que ça soit un indice, oui ou non, plein de l'air pour savoir que oui, il y a quelque chose là. Alors parfois Dieu permet, ça ne veut pas dire que c'est lui qui te pousse à faire ça, non. C'est toi qui a tombé selon les convoitises de l'orgueil de ton cœur et tu as abandonné Dieu. Dieu t'a livré. On n'oublie pas la première partie. Alors Dieu t'a livré à ton désir. Et quand tu tombes dans quelque chose d'impur, visible, ça t'aide à se rendre compte de ce qui est invisible en toi. Le mal qui est en toi invisible, c'est l'orgueil. Alors ça te casse. Et c'est toi qui as pris cet itinéraire-là. Dieu le permet pour ton bien. Non pas pour que tu tombes, non. Il te livre à ta pensée pour savoir que tu as tort. Et tu retournes vers lui. Parce que tu n'as pas écouté
à ce qu'il te dit. Il ne t'a pas, tu n'as pas écouté à ses commandements et ses consignes. Donc, les causes, ou la cause principale de ces péchés que ces gens-là ont fait, c'est leur orgueil. Abandonner Dieu, c'est l'orgueil. Pourquoi tu abandonnes Dieu? Est-ce que tu seras mieux? Tu comptes sur quoi pour abonder Dieu et ses commandements? Pourquoi tu ne le suis pas? Si tu ne le suis pas, tu vas suivre qui? Toi-même? Est-ce que tu es mieux? Tu as confiance en toi beaucoup plus que ta confiance en Dieu et de ce qu'il te demande. Pourquoi on s'éloigne des commandements de Dieu? Est-ce qu'on doute dans sa vérité? Ou c'est quoi? Ou c'est un orgueil parce que j'insiste à faire ce que je veux. Ça, c'est l'orgueil. Lutter contre tout ce qui est charnel et tout ce qui est convoitise, je préfère toujours dire les mauvaises convoitises. Parce que je ne sais pas si en français le mot convoitise, c'est que toujours c'est un mauvais désir. Parce que je peux avoir une convoitise, je ne sais pas, comme en arabe par exemple, shahwa. Shahwa c'est convoitise. D'accord, mais j'ai une shahwa, j'ai une convoitise d'être avec Dieu. Je ne sais pas si en français ça peut, le mot convoitise, est-ce que ça peut porter le deux sens, péjoratif et bon? Hein? Je crois que convoitise a pris, en français, a pris le sens péjoratif du désir. D'accord? Bien, tant mieux, ça nous facilite l'affaire. Parce que parfois, en arabe, on dit les bons désirs et les mauvais désirs. Je crois que convoitise en français, c'est le synonyme de mauvais désir. D'accord? Qu'est-ce qui me fait résister à ces convoitises? C'est la grâce de Dieu et ta volonté. Les deux ensemble. L'orgueil fait échapper la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se rapprocher de l'orgueil, d'un homme orgueilleux. C'est pour cela qu'il y a un verset dans les psaumes qui dit... Allah yuqawm al-mustakbirin. Yuqawm, c'est-à-dire Dieu résiste aux orgueilleux. Résiste, imagine-toi bien que Dieu résiste à un homme qui va vaincre, qui va porter la victoire. Sûrement, c'est Dieu. Alors, pourquoi tu te mets dans une position que Dieu te résiste, te refuse? L'orgueil. Donc, pourquoi l'orgueil t'affaiblit? Parce que l'orgueil chasse de toi la grâce de Dieu avec laquelle tu peux combattre les convoitises. Vous voyez l'enchaînement de l'affaire? Orgueil, je demande d'abandonner Dieu. Il te livre. S'il te livre, il te laisse, il te livre à ta convoitise, à ton désir, eh bien, tu perds la grâce de Dieu. À ce moment, tu es faible. Tu tombes dans ce qui est visible, ce qui est impur. Ou bien tu te rends compte, ou bien tu persistes dans le péché jusqu'à ta mort. Et là, c'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Tu refuses le repentir. C'est pourquoi Dieu, attention, Saint Paul, il répète toujours, pour clarifier l'affaire. La répétition, c'est ça son système. Et je vous rappelle toujours que dans un chapitre, vous pouvez trouver deux idées, mais il le répète, ou même une seule idée dans un chapitre. Et il le répète pour la clarifier. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. La homosexualité, c'est contre la nature. Vous voyez, celui qui abandonne Dieu, il suit sa logique et sa convoitise, il peut
accepter de faire des œuvres infâmes qui sont même contre la nature. Que même les animaux ne le font pas. Imaginez-vous que les animaux n'ont pas d'homosexualité. Imaginez-vous. Mais l'homme, livré à ses convoitises, il l'a fait. Il se déshonore lui-même, son corps, oui ou non. Regardez la catastrophe de l'homme qui abandonne Dieu. Et il s'éloigne de la grâce de Dieu qui le protège. Il peut descendre, il peut chuter à un niveau moins que le niveau des animaux. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Oui, infâmes pour qui? Pour la vérité, mais pour eux. C'est quelque chose de normal. C'est parce que Dieu les a livrés à leur pensée, à leur logique, à leur façon de voir les choses. Parce qu'ils ont vu les choses, ils ont pensé à ces choses loin de Dieu, loin de la vérité. Et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Quel est le salaire? Eh bien, c'est la mort. Est-ce que Dieu, c'est lui qui les a poussés à faire ça? Eh bien, non. Mais il a permis, parce qu'ils sont libres. Vous devez comprendre toujours cet enchaînement. Pourquoi il y a du mal dans le monde? C'est parce qu'il y a l'homme dans le monde. Et l'homme, quand il s'éloigne de Dieu, eh bien, il se laisse. Je dis toujours, dans ce cas-là, la différence entre l'obscurité et la lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Tu ne peux pas faire obscurité. L'obscurité, ce n'est pas un état. Ce n'est pas quelque chose de concret. L'obscurité, c'est quoi? C'est l'absence de la lumière. Oui ou non? Comment tu peux faire de l'obscurité? En éteignant la lumière. Donc, le mal, c'est quoi? L'obscurité. Le mal, c'est l'obscurité. C'est quoi? C'est que tu n'es plus dans la lumière. Tu t'éloignes de Dieu, tu es dans l'obscurité. Tu t'éloignes de Dieu, eh bien, tu es dans le mal. Parce que l'éloignement ou l'abandon de Dieu, c'est l'orgueil. D'accord? C'est la séparation de l'homme, de la grâce de Dieu qui est donnée par Dieu pour le protéger des pièges du péché et de Satan. C'est la guerre entre la race humaine et Satan. Qui peut te soutenir là-dedans? C'est la grâce de Dieu. Et bien sûr, ta volonté. Mais c'est un mélange ensemble. La grâce de Dieu plus, la grâce de Dieu plus, ta volonté. Eh bien, ça te rend fort contre les pièges du péché. Et recevant en eux-mêmes, d'accord, dans leur vie, dans leur cœur, dans leur intérieur, dans leur âme, le salaire que méritait leur égarement. Mais là, je me pose la question, ces gens-là qui paraissent devant les gens qu'ils sont heureux, est-ce que c'est vrai? Comment peut-il être heureux s'ils sont contre la nature? Comment? Là, je ne comprends pas. C'est clair? Verset 28. بلاش تيجي الكنيسة بالبنطلون ده اعمل معروف تاني انا عارف انك جاي من البيت البنطلون ده ما يخشيش بالكنيسة يلا حبيبي معلش اخر مرة comme ils ne se sont pas souciés verset 28 comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Je me suis arrêté un peu sur ce terme là
il les a livrés à leur sens. Réprouvés. Qu'est-ce que ça veut dire en français réprouvés? Refusés? Quelque chose éprouvé ou reconnu. Qui a le dictionnaire sur son iPhone? Regardez, réprouvé. Mais livré à leur sens. Qu'est-ce que ça veut dire sens? Est-ce que ce sont les cinq sens? Ou leur sens, c'est-à-dire leur façon de voir les choses, leur façon de comprendre les choses, leur façon de comprendre le sens des choses. Pourquoi Dieu nous a donné la sexualité? Rejeter, refuser. Leur sens. Leur façon de voir les choses, de comprendre. Dieu les a livrés à leur sens réprouvés, pour qu'on montre des choses indignes. Parce qu'ils sont éloignés de la vérité. Ils se sont éloignés de la lumière. Alors leur sens est devenu réprouvé, rejeté, refusé, même refusé par la nature que Dieu a créée. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Regardez le mot ici, rempli. La personne, c'est exactement, il se noie dans le péché en étant rempli de poids. Tu commences par un petit péché et la lourdeur, d'accord, du péché te fait enfoncer. Parce que tu persistes, tu ne veux pas. Et pourquoi tu ne veux pas? L'orgueil. Même dans notre vie quotidienne, parfois tu veux quelque chose, même avec tes parents. Je veux quelque chose. Et d'après ton sens, rejeter, c'est quelque chose de faux. Et tu le sais au fond de toi. C'est-à-dire, tu, d'accord, résistes parce que tu veux. À ce moment, qu'est-ce qu'on te fait? Tu es majeur, alors tant pis pour toi. C'est l'orgueil. Parfois, tu es convaincu que c'est faux. Ce n'est pas la meilleure. Mais tu veux. C'est ça le problème. Je veux le désir, la convoitise. Quand la personne perd la grâce de Dieu, ce qui est défendu est demandé de sa part. Ce qui est défendu de Dieu, d'accord, commence à être désiré par la personne. Parce que ce qui est normal, c'est ce qui est défendu soit aussi pour toi mauvais et défendu. Regardez la loi. Pour un homme normal, la loi est bonne. Limitation de vitesse. Pour un homme équilibré qui comprend le danger de la vitesse, d'accord, eh bien il va accepter. Ce qui est refusé par la loi est refusé de sa part. Mais qui est contre la loi? Ce qu'il veut rouler plus vite, l'orgueil, pour se montrer, pour la jeunesse, n'importe quoi. J'ai vu un documentaire à propos des accidents, d'accord, de routières. 90% ce sont les jeunes. Mais où est leur tête? Où est leur tête? Et ce qui était beau dans ce programme, ce qu'il voulait souligner, que toute ta vie bouscule en 30 secondes. Il boit, il monte à sa moto ou à son volant. À son volant. Regardez, ça bouscule. En 30 secondes, l'accident. C'est incroyable. Pourquoi l'orgueil?
Et l'orgueil te met dans les mauvais sens. Les sens, comment on l'appelle, réprouvés. Et ça te remplit. Regardez, ben, toutes les péchés, tout le tas de péchés des nations, des gens qui ont refusé Dieu. Tout ça, il parle dans le premier chapitre à propos de ce qu'on appelle les Grecs. D'accord ? Les Grecs dans ce temps-là, c'est-à-dire les nations. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Attention à la prochaine. Rebelles à leurs parents. Pourquoi? Parce que ce qui est normal, c'est l'obéissance aux parents. Quand ce sont des parents normaux, la plupart de nos parents, pour ne pas être exagérant, la plupart de nos parents sont normaux. Et malgré ça, nous sommes rebelles à nos parents. Pourquoi? À cause de l'orgueil. Je veux. L'orgueil. Cède ta volonté. J'essaie d'apprendre aux enfants, aux collégiens, ou même et vous aussi, d'accord, que quand on demande quelque chose, obéis. Pourquoi tu désobéis? Parce que c'est ce que je veux et ce qu'il veut. Ce que mon père veut et ce que moi je veux. Parfois les deux volontés ne sont pas fausses. Mais je veux ma volonté avant la sienne. C'est ça le problème. Même en couple, les deux, ils veulent des choses, mais qui cède à l'autre? Et si quelqu'un, il cède toujours, l'autre ne se rend pas compte qu'il abuse. Et l'autre, s'il n'est pas soutenu par la grâce de Dieu, il craque à un moment, dit non, ma volonté. Et pourquoi il craque? Parce qu'il s'est éloigné de la grâce de Dieu. Vous voyez, quand on est en grâce de Dieu et en Christ, on ne mesure pas ta volonté, je cède. Par amour, ce n'est pas par faiblesse. Vous voyez? Mais ben, le sens réprouvé, il te dit, ah non, si tu cèdes toujours, d'accord, c'est une faiblesse. Un sens, d'accord, une idée, une façon de penser. Réprouver l'orgueil. Rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. D'affection naturelle. Pourquoi il y a des choses dans ces homosexuels, d'accord, qui ne sont pas naturelles? Pourquoi? Qui a engendré en eux ceci? Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est parce qu'ils ont refusé ce qui est naturel. Par orgueil et par abandon du Créateur. Alors, moi je le considère que comme une création qui bug, comme l'ordinateur. Vous voyez l'ordinateur qui bug? Est-ce qu'il y a une raison dans ce qu'il fait, l'ordinateur qui bug? Rien, même, c'est fou. Il fait n'importe quoi. Tu presses B, il te donne C. Alors, il bug, voilà, il bug. Celui qui abandonne Dieu, c'est un homme qui bug. Dans le langage de technologie moderne. Qu'est-ce qui l'a rendu ça? Jusqu'à maintenant, l'homme qui a créé l'ordinateur, ce n'est pas la cause du bug. Qu'est-ce que vous faites quand il bug? Vous éteignez pour vous rallumer. Un point, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Même les plus grands ingénieurs ne savent pas. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore découvert. Mais nous, on sait pourquoi l'homme bug. Parce qu'il s'éloigne de Dieu. Source de vérité, source de grâce et de force.
clair. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort. Et bien, ce n'est pas l'affaire de Dieu qu'il n'est pas bon. Non, c'est eux qui ont mérité. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement il les fend, attention à ça, non seulement qu'il le fend, mais il approuve ceux qui les font. Il aime bien que tous les hommes font comme eux, pour qu'ils ne sentent pas, d'accord, différents. Ces gens-là, eh bien, par leur abandon de Dieu, ils déclarent dignes de mort. C'est eux qui se jugent eux-mêmes. Même s'ils ne se rendent pas compte, mais c'est eux qui ont jugé. Parce que Dieu nous juge d'après nos œuvres. Ce n'est pas parce que Dieu veut nous donner la mort. Non, c'est toi qui a ramassé, c'est toi qui a cultivé, c'est toi qui a, comment dire ça, semé la mort. Alors tu vas récolter la mort. Tu sèmes le péché, tu récoltes la mort. Et bien, ce n'est pas Dieu qui t'a donné la mort. Dieu ne veut pas que tu meures. Tu vas dire, ah non, mais il est libre l'homme de faire. Ah non, il est libre, mais dans des limites. Il est libre dans des limites. Il n'y a pas une liberté. L'homme n'est pas libre d'une liberté absolue. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'est pas seul. Parce qu'il n'est pas Dieu. Imaginez-vous qu'on donne la liberté absolue à tous les hommes. Sûrement, il y aura une quantité qui sont yani, débiles. Tu vas leur donner la liberté absolue. Mais pourquoi Dieu, il a la liberté absolue? Parce qu'il est la sagesse. Il ne se trompe pas. Et c'est ça, être Dieu. Quand je vous dis, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas des dieux, alors vous ne pouvez pas avoir une liberté absolue. C'est clair? Tout simplement, dans ce chapitre, on a trouvé tout le mal que les hommes font. À cause de quoi? De leur orgueil qui les éloigne de Dieu. Et une fois éloignés de Dieu, Dieu les livre, d'accord? Ou l'éloignement de Dieu, c'est que Dieu les livre à leur sens réprouvé. Gardez vos sens, gardez vos pensées entre les mains de Dieu, dans la lumière du Christ, dans la vérité. Et n'écoutez pas les autres. Ne dites pas parce que la plupart ils font ça, c'est parce que ceux qui commettent telle chose, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Alors, ils encouragent les autres. Nous serons toujours un petit troupeau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le piège de l'orgueil. Ne vous laissez pas aller. Résistez contre ces pièges et tenez bon en Christ. C'est clair? Quand vous relisez chapitre 1, vous allez voir que Dieu, vraiment, il voit ses enfants avec leur liberté qui s'éloigne de lui. Il est triste. Quand tu fais du mal à Dieu, je veux dire d'une façon que ce n'est pas Dieu qui va subir les conséquences de ton mal. C'est toi qui vas récolter la mort. Déclarant digne de mort. Déclarant digne de mort ces gens-là qui commettent ces choses-là, qui sont contre la nature et qui s'engendre des sens réprouvés. Je vous dis encore un petit point, c'est tout simplement réprouvé. D'accord? Ces sens réprouvés de qui? Quelle est ta référence? Un chrétien, que ça soit clair dans ta tête. Être chrétien, oui, c'est venir à l'église. Mais être chrétien, c'est quelqu'un
qui a comme référence la pensée de Christ. Tu prends chaque pensée, chaque œuvre, et tu la mesures d'après la pensée du Christ. Et ce n'est pas difficile parce que le Christ lui-même s'est fait homme pour nous montrer comment on doit agir. La Sainte Vierge Marie, quand elle demandait quelque chose au Christ quand il était enfant, est-ce que vous croyez qu'il désobéissait? Ne me dis pas, ah oui, mais ma mère n'est pas la Sainte Vierge. Ça, c'est une façon toujours de fuir, de suivre le Christ et ses pensées. La pensée du Christ. Ah, j'aimerais bien, bienheureux celui qui a la pensée du Christ. On a terminé le chapitre 1. Lisez, s'il vous plaît, et si vous en avez des questions, d'accord, eh bien, posez-les. Mais l'important, c'est... L'important, c'est de profiter de ce qu'on fait ensemble, d'accord, c'est cette étude biblique, d'accord. Ne laissez pas tomber, mais retournez, et quand c'est, tout ce que je viens de dire, c'est fraîche dans dans votre tête, eh bien, essayez de liser. Et vous allez en profiter beaucoup. Que le lire après 2-3 mois. D'accord? Bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions hors sujet? Hein, Mariam. Dites, pourquoi tu te retiens? Hors sujet, mais je demandais si vous avez une question hors sujet. Est-ce qu'il y a une question dans le sujet? Le contraire en français, hors sujet, qu'est-ce qu'on dit en français? Hors sujet, oui, mais le contraire, c'est dans le sujet? Oui? Ben, est-ce qu'il y a dans le sujet? Non, dans le sujet. Dans le contexte, d'accord, dans le contexte. Ma réponse, tout simplement, pour ne pas te faire marcher là-dessus, d'accord? Commence par les choses simples et claires et nettes. D'accord? Cède. Cède dans Jérusalem, dans le domaine de ta famille. Ensuite, un peu plus large, un peu plus large, un peu plus large. Entraîne-toi avec ton frère. Dans le bien. D'accord? Je ne te dis pas cède dans le mauvais. Si tu es harcelé dans ton travail, non, dis non. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi on ne s'entend pas? C'est pas ce que je veux. Si les deux façons sont justes, pourquoi tu ne cèdes pas? Si tu es sûr que l'autre est faux, et selon quelle référence il est faux? Ta logique ou le Christ? Commence dans les choses les plus simples. D'accord? Les deux filles, par exemple. Ma soeur, elle veut bien cette barrette. Non, moi je la veux. Hein? Tu peux céder? Pas toi, tu n'as pas la barrette. Hein, les filles? Méfiez-vous de ces petits exercices. Vous voyez, je vous demande de commencer par là. Si vous commencez par là, d'accord, eh bien vous pouvez être fort pour céder par amour, non pas par faiblesse. Arrêtez de prendre un prétexte que ils vont me marcher là-dessus. Ils me marchent là-dessus, là-dessus. C'est l'orgueil. Fais avoir. Merci de le dire. Les gens ne sont pas des gens. Nous sommes les enfants de Dieu.
Nous ne sommes pas des gens. Il me dit, oui, mais le naturel, l'homme naturel, nous ne sommes pas naturels. Mais puisque tu sais, oui. Oui, bien sûr, Yann, tu es d'accord avec moi. On commence par les petites choses. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour cela, Arf Abraham, c'est pour cela que Dieu te donne la vie. Exactement. Mais pourquoi il te donne une vie longue? D'accord? Espérons, Yann. D'accord? Mais pour t'améliorer, il te donne la chance. D'accord? D'évoluer. D'une grâce à une grâce. Mais si je reste toujours comme ça, si tu n'arrives pas à céder à ton frère, ni à ton père, ton couple avec ta femme, ça sera le pire des pires. Exactement. C'est un principe en toi. C'est une capacité en toi. Est-ce que tu arrives à céder? Oui ou non? Dans le bien. Je te dis, toujours c'est une affaire de dureté de tête et orgueil. Je veux. Parfois, regardez, analysez avec moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas naturel. C'est parce que l'homme est loin de Dieu, ou même l'enfant est loin de Dieu. Regarde, par exemple, toute une bagarre qui s'éclate dans une maison. Je ne veux pas dire entre des adolescents, entre deux jeunes, d'accord, 18 et 17 ans, pour un ordinateur. Et ce n'est pas quelqu'un qui fait un travail, c'est quelqu'un qui s'amuse, il cherche quelque chose, il veut la chercher maintenant, et l'autre, il veut jouer maintenant. Vous rigolez, mais c'est ça la catastrophe, c'est l'orgueil. Alors, commençons par ces choses-là. Si tu cèdes, d'accord, qu'est-ce que tu vas perdre? Mais si tu ne cèdes pas, tu vas perdre ta paix et ton frère. Et dans tous les domaines, bas, commençons par l'échelle d'en bas. D'accord? Voilà. Et tu montes bas. Parfois, tu insistes à voir des choses, d'accord, tout simplement parce que, non, c'est mon droit. T'as mal à céder puisque tu es indifférent. Fais-le par amour. Pour toi, non pas pour l'autre toujours. D'accord? Pour toi, pour ton Christ, fais-le. Parfois, même, je vous dis, dans notre vie, moi et Abou Nalech, d'accord. Ce qui règne la paix entre moi et lui, c'est quoi? Ce qu'en cours, on essaie de se précipiter à céder à l'autre. Il y a beaucoup de choses dans l'Église que moi, je ne suis pas d'accord. Mais je cède. Et Abouna le sent. D'accord. Alors, il me donne des cadeaux. Non, pas des cadeaux, mais il cède à d'autres choses. Il me téléphone du Caire pour me dire, veux-tu qu'on fait ça ou ça? Ah non, Abouna, c'est comme tu veux. Pourquoi? Les deux idées sont bonnes. Pourquoi quand il y a un seul prêtre dans une église, d'accord, tout est parfait. Quand il y en a deux ou trois, c'est la querelle. C'est la guerre. Pourquoi? Parce que le démon jette là-dedans. Chacun veut, d'accord, sa pensée. Non, cède. D'accord? Ça va marcher mieux que tu appliques le parfait qui est dans ta tête. Ça ne va pas le coup. J'aimerais bien que ce soit votre principe. On va pas commencer, Abraham, on ne va pas commencer par amour. Ça, c'est trop grand. C'est trop dur. D'accord, monsieur. Changeons la nomination du fait. D'accord. Ce n'est pas par amour. Ça ne vaut pas le coup. Je me rappelle un jour, d'accord, j'étais novice.
J'étais responsable d'un tracteur. Non pas un tracteur, d'accord, mais un loader. D'accord, je ne sais pas comment vous le dites. Et ça, c'était le premier loader, d'accord, dans les monastères chez nous, c'était très cher. Le temps, bah, il a 25 ans, il a 26 ans. Et j'étais responsable, le chauffeur de, et moi, j'étais le chauffeur de ce truc-là. Alors, tout simplement, j'ai dit, parce que c'est normal, et l'ingénieur qui nous a ramené ça, il nous a conseillé de faire un jour d'entretien de la machine. D'accord ? Alors, j'ai dit, toujours le dernier samedi, c'est entretien. Que personne ne me demande de travail. C'est une règle. Et l'abbé était d'accord. Il avait une urgence. Une urgence pour un père. Et moi, je suis novice. Alors, je sautais sur l'occasion. Ah non ? La loi ? Nizam ? Et c'était la querelle. Imagine-toi. Alors, tout simplement, je me rappelle de l'abbé quand il m'a rappelé pour rappeler à l'ordre. On appelle ça appeler à l'ordre. Il m'a dit, tu perds ton frère pour un bout de fer. Je dis, ah non, parabé, ce n'est pas un bout de fer. D'accord ? C'est une machine qui a coûté 25 000 livres égyptiens. Il m'a dit, un bout de fer. Là-bas, vraiment, j'étais écroulé. Et c'est ça mon principe jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je perds mon frère pour un bout de fer ? D'accord ? Et c'était un bout de fer. Et à côté, ben, il y a la garniture du plat. D'accord ? L'intérêt public du monastère et l'honnêteté. Ça, c'est une camouflage ou un masque pour l'orgueil. C'est clair? Ne perds pas ton frère pour un bout de fer. Ah, un dicton. Ça ne vient pas de moi, c'est de Parabé. Allah est merci, Belkhir. Oui. Mariam. Hors sujet. Khalas. Abraham, nous sommes d'accord qu'on commence par les petits exercices. Oui. La théorie 2, comment explique la, bravo, la, est-ce qu'une théorie est 100% juste? D'accord? Ça pour rigoler. Lec, une évolution, ça veut dire, si par exemple, je viens du singe, d'accord? Et ben si aujourd'hui je suis un homme, tous les singes doivent disparaître. Parce que c'est une évolution, d'accord, dans la formation de cet être. C'est ça l'évolution, oui ou non? Et ben je ne peux pas, parce qu'il y a une ressemblance biologique entre moi et le singe. D'accord? Et ben je dis que, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il donne ce changement-là dans la cellule biologique? D'accord? C'est le changement des... dans vos termes biologiques, là. D'accord? Vous avez le noyau, d'accord? Et la plasma et la membrane. Je veux dire en anglais, je ne connais pas en français. Non, le noyau, la plasma et la membrane. D'accord? Et à l'intérieur du noyau, il y a, d'accord, les... ADN, oui. Les gènes. Le changement de gènes, d'accord, ça donne le caractéristique de ces cellules qui se rassemblent pour faire un être humain, un être vivant, oui ou non. Et même cette cellule-là, ça peut donner quelque chose de végétal ou quelque chose d'animal ou humain, oui ou non. Et s'il y a une évolution, d'accord, c'est-à-dire un changement dans ce noyau, quand ça change, je ne suis pas très biologique, la race change, comment il y a
la race primitive, s'il y a une évolution. Et ben, il y a quelques cellules parce qu'ils ont eu des évolutions, quatre êtres humains, et ils sont évolués parallèlement. Ça ne marche pas. Hein. Ce sont des observations, d'accord, une façon de constater, constatation, d'accord, et des théories. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. D'accord ? Il observe et il détecte. Ou il, déduction. D'accord ? Vous voyez ? Et des statistiques. Tu vois ? Comment la religion ? La religion, elle dit une vérité que Dieu l'a révélée. Et on la transmette. Nous ne sommes pas là pour que chaque personne avec son intelligence qui crée une théorie... On doit là, d'accord, discuter et expliquer. Non, ce n'est pas ça le rôle de la religion. Ce n'est pas ça le rôle de la vérité. C'est clair? Baisse. Autre question? T'en repentir. Parce que tout ce que Dieu fait, d'accord, et dans chapitre 2, tu vas voir que toujours que la longanimité, vous comprenez ce mot? Longanimité, la patience de Dieu. Ça se prononce comme ça. L-O-N-G-A-N-I-M-I-T-E, accent. Tous les anins, d'accord? C'est la patience. D'accord? La longanimité de Dieu, ou la longanimité, tu peux la trouver sur ton iPhone. Longanimité. Oui, longanimité de Dieu. L-O-N. Même ici, vous allez la trouver dans chapitre 2. Alors, la longanimité de Dieu, pourquoi il patiente, pourquoi? Pour que tu puisse te repentir. D'accord? Alors, aucun péché n'est impardonnable sauf le péché sans repentir. Oui ou non? Un péché, même si c'est un petit péché ou un grand péché, ce n'est pas un petit et un grand. Un péché, c'est grand ou petit, parce que c'est difficile s'en repentir ou pas. Quelqu'un qui a tué une fois, d'accord, ce n'est pas quelqu'un qui insulte toujours. Il n'arrive pas à arrêter d'insulter. Et bien, qui est le plus grand? C'est celui qui est le péché dont tu ne peux pas te débarrasser. Et bien, selon ses œuvres, c'est-à-dire, selon ses œuvres, si c'est bonne et c'est mauvaise. Comment tu arrives devant Dieu avec des mauvaises œuvres? Parce que ce sont des œuvres dont tu n'as pas repenti. Alors, ça reste mauvaise œuvre. C'est clair? Oui. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait... Oui. Dernière question pour le temps. Oui. Oui, rapidement. Non, attention. Blasphémer contre le Fils de Dieu, je peux le faire par ignorance. Qui m'aide à se repentir en ça, c'est l'Esprit Saint qui travaille en moi. Mais blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est-à-dire refuser l'œuvre, l'aide de l'Esprit Saint en moi pour me repentir jusqu'à la fin de ma vie. Je ne peux pas te dire que maintenant tu blasphèmes contre l'Esprit Saint. Parce que blasphémer contre l'Esprit Saint, c'est refuser l'Esprit Saint toute ma vie jusqu'à ma mort. Alors si l'Esprit Saint, c'est elle, c'est lui qui m'aide à me repentir. Si je refuse cet outil-là, comment puis-je me repentir? Et bien, c'est impardonnable de blasphémer, de refuser l'œuvre de l'Esprit-Saint en moi. Mais si je ne connais pas le Christ ou par ignorance, d'accord, j'ai blasphémé contre lui, je le refusais, d'accord, et bien, c'est l'Esprit de Dieu qui m'aide à dire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est clair? Ce n'est pas une différence. C'est une façon de comprendre le contexte. D'accord? Et alors, on fait la prière.
Est-ce qu'on peut choisir un psaume? Si c'est rapide. Prochaine fois, on va commencer chapitre 2. Tu nous choisis un psaume, s'il te plaît. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Prions ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur quand que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre. Et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait juste aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Alléluia. Par les intercessions de la Sainte Vierge Marie et les prières de tous les saints qui t'ont plu de l'origine, écoute-nous Seigneur, exauce-nous en vous priant tous ensemble en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre du mal par le Christ Jésus notre Seigneur, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire éternellement. Amen. » Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Dieu le Fils, la communion et le don du Saint-Esprit soient avec vous tous. Allez dans la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous.